Le but de cet événement est très simple, c'est recréer le lien, je dirais, entre la ruralité, entre l'agriculture et les habitants de Côte d'Or, d'où qu'ils soient. Historiquement, nous avions tous des liens agricoles, quelqu'un de la famille. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Et il est important, en tout cas, de savoir, pour savoir ce que l'on mange, savoir comment c'est produit. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de voir les yeux d'un enfant qui brille quand il voit un animal, quand il peut le caresser. C'est vraiment en tout cas un retour aux sources qui est important en tout cas pour l'ensemble des enfants, même pour les adultes qui ont parfois perdu ce contact-là. Et puis aller à la rencontre des producteurs pour qu'ils sachent comment on travaille aujourd'hui. En premier lieu, c'est pour montrer, faire une vitrine de l'élevage côte d'Orien qui permet de montrer aux gens et aux jeunes l'élevage qu'il y a sur le territoire. Comme élevage, je fais élevage ovin, que des races bouchères, races à viande. Alors derrière les blanches, Berrichon du Cher et les autres, races charolaises. Et puis autrement, permettre de montrer également mon élevage, montrer mes bêtes. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à faire connaître nos races, à faire connaître notre passion et à pouvoir communiquer avec le public. Moi, j'élève trois races de lapins. Donc, je fais l'Alaska, le Sablé des Vosges, qui est une race en voie d'extinction, mais que j'essaie de remettre un peu à jour, et le Fauve de Bourgogne, qui est bien le lapin de notre région que l'on élève. Voilà. Quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à faire connaître nos races, à faire connaître notre passion, et à pouvoir communiquer avec le public.